Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais partager une nouvelle vidéo avec vous. Dans cette vidéo je veux vous montrer un masque pour le visage qui est très bien pour le visage. Ça va aider la peau du visage à être en très bonne santé. Donc je vais vous montrer comment la préparer et comment l'appliquer sur le visage. Donc pour faire le masque, vous avez besoin d'une pomme de terre et d'un yaourt nature. C'est un masque qui est très simple à faire avec des produits simples. La pomme de terre, on le trouve partout. Le yaourt aussi, on le trouve dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins. Les épiceries aussi, vous pouvez trouver des yaourts. Donc pour la préparation, on va venir râper le pomme de terre. Donc vous pouvez l'éplucher si vous voulez, mais moi je garde la peau. Donc une fois que vous avez fini de râper le pomme de terre, vous pouvez aussi le mixer pour ceux qui veulent le mixer. On va rajouter une cuillère à soupe du yaourt nature. Voilà. Maintenant, on va bien mélanger les deux produits ensemble. Donc voilà, le masque est prêt. Il faut savoir que ce masque est extrêmement bénéfique pour se débarrasser des imperfections du visage et des taches sombres. Le pomme de terre est très riche en vitamines, ce qui est vital pour maintenir la bonne santé de notre peau. Il a aussi des agences pour clarifier la peau naturellement. Il va vous donner une peau lisse et éliminer aussi les cellules mortes de la peau sur le visage. Ce masque est très efficace. C'est aussi un anti-vieillissement. Elle va éloigner le ride du visage. Vous pouvez aussi récupérer le jus du pomme de terre et les pulvériser sur la peau brûlée au soleil. Ça va vous apaiser et rafraîchir votre peau. Faire cet remède régulièrement pour rajeunir votre peau. Je veux vous montrer comment appliquer le masque sur le visage. Donc pour appliquer le masque sur le visage, vous pouvez utiliser un pinceau si vous avez un pinceau. Vous pouvez aussi utiliser votre doigt. Et moi je vais utiliser le doigt pour l'appliquer sur mon visage. C'est un peu liquide. Donc maintenant j'ai fini d'appliquer le masque sur le visage. Je vais la laisser se reposer pendant 15 minutes et je vais laver mon visage à l'eau froide. Donc voilà les amis, les 15 minutes sont passées, je rinçais mon visage à l'eau froide. Donc vous voyez les résultats. Moi j'aime bien, mon visage je la sens frais. J'aime bien parce que avec ces produits simple qu'on utilise pour la peau, quel que soit pour la peau ou pour le cheveu, c'est des choses qui sont simples mais qui sont très bénéfiques pour la peau comme pour le cheveu. Moi j'aime bien les choses simples, j'aime pas me compliquer la vie. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire encore. Si elle vous plaît, n'hésitez pas de la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain vidéo. Je vous fais des gros bisous
et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !